Bah, tu disais. C'est parti. Ouais. Attends, je vais baisser un petit peu. Ah, joli, tiens, bravo. Ça, c'était le bruit de l'Emiteos, tu vois, qui nous accueille hein, dans son antre. Oula, oui. Ah oui, j'avais oublié. Pluton est énervé, il s'est habillé en mode Yakuza. C'est très BDSM tout ça, dis donc. Ah tiens, c'est doublé. Comment ça, moi? Je ne suis pas tout seul. Ne me reste plus. Oh non. Ah ouais. Sentiment dissocié. Héphaïstos. Ah oui, là cette fois-ci c'est la Abrea qui nous permet de vous invoquer en fait. De suite c'est pas la même couleur. C'est raciste. Dis ça parce que je suis black. Non parce que vous étiez en rouge. Lux, c'est parti. Ce tombeau sera votre tombeau. Voilà, on a tous pensé à la même chose, merci. La mission Cléopâtre, putain, qu'est-ce que c'était un classique, Grave. Ouais, mais pas mieux que les 12 travaux d'Astérix. Oui, mais ça reste le meilleur live. Whoop. Ah putain, j'y étais. J'avais oublié. J'ai confondu. Là, ça va être un peu bird. Oh, mais c'est pas vrai, quoi. Si c'est Snake, c'est au centre. Si c'est Bird, c'est sur les côtés. Donc là, c'est Snake, c'est au centre, du coup, c'est ça? Bah, du coup, ça, il va taper au centre. Désolé, je me suis certainement mal escrimé. Serpent canon. Ça, c'est un tank buster, c'est ça? Ouais, c'est un tank buster qui tape derrière moi, toi aussi. D'accord. Qui tape en ligne, donc faut pas être derrière moi. Admirez le fruit de mon sacrifice. En fait, avec un peu du The Maker's Rune en arrière-plan. Ah oui. Pour les zones avec le phénix et le serpent, je garde en tête que le phénix attaque avec ses ailes et que le serpent attaque avec son corps. C'est pas mal, ouais. C'est marrant quand même. Un perso qui s'appelle Héphaïstos et qui. Mais non, mais j'étais dans ce. Alors, j'ai esquivé le truc, je sais pas comment là. Je me prends tout. J'imagine, faut les buter, les machins. Ah oui. Non, mais me cible pas, j'essaie de caster. Arrête d'essayer de caster et fais-le. Ah tiens, la musique du jeu du donjon optionnel justement. L'Academia. Ah l'Academia, oui. L'Academia est optionnel. Ouais. Oui. D'accord. C'est facile de confondre entre l'Academia et l'Anamnesis. Faut se mettre au centre oui. Là. L'Académie où se trouvaient justement les bureaux de l'institut de la Abrea. D'où la musique. La petite référence. Bien senti. Exactement. Cette attaque me fait tellement penser à Ocarina of Time. Ah, Volvogia. Exactement. Effectivement, il y a des airs. Faut pas être sur le côté. Si, justement, faut être sur les côtés. Ah putain, je suis. Faut pas avoir un point de côté. T'es sur le côté, mais pas le bon côté. C'est le côté du côté. À droite, bon, non, l'autre droite. Tu es dégueulasse. Bien au centre. Faut être de l'autre côté parce que ça va se faire push. Ouais, ouais. Ah cette guitare. Ah putain, c'est pas passé loin et là c'est bon, faut rester là, ok. Voilà. Ouch.
mes flammes vous emporte. C'est bizarre, le thème de... Ouais, c'est le thème de combat quand t'attaques les Astiens. Oh, c'était étrange. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Ouais. Faut pas être dans les rectangles, je dirais, à tout hasard. Merci. Tiens, sur le sol, ça a fait le symbole du ça a fait le saut de la Brea, tiens. C'est marrant parce que justement, cette musique, c'est la première fois qu'on entend, c'est pas quand on combat la Brea. Oh, tout de suite. Ah, secours, hein. Oh, j'ai pu sauter sur Guilo. Merci, Guilo. Au centre. Je sais pas comment je me suis pas pris parce que je la méritais totalement là. Note à moi-même, réécouter cette musique après le combat. Ça va être oui, ça va être les trucs qu'il va pas falloir regarder. Okay. Faut péter les gorgones aussi, ouais. Ouais. On se met au centre. Je vais bientôt balancer la LB à 10. Pluton. La sueur, j'en doutais, hein, c'est Pluton, hein. Ah, pour moi, c'est un taunt, hein. Vous allez périr sous une chaleur. Créature de flammes, dévorez nos ennemis. Ah oui. C'est un miracle. Ok. Yes. Voilà. Yay. Ouf. Ah, ça va faire... On va le faire du coup. Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ah bah l'autre patate s'est déjà barré, je pourrais pas l'honorer, tant mieux. Ah ouais. Oh, Guilo, il a la même armure que moi. On est habillé pareil. Je connais pas du tout. Eh ben, on tire à te renseigner. Hop. Ah bah, Eric Tonios miniature. Moi, je dis Nid. Hein. Moi, je fais passer parce que je l'ai déjà. J'ai fait un 14, donc ça va pas me tomber dessus. Moi, j'ai fait un 14 aussi, mais il y a un 60 devant. Yeah! Allez! Ah, j'ai eu un. Ah, bah tiens, l'autre patate m'a donné son honneur à moi! La patate! Putain! C'est le népotisme des patates! Ah ouais, non, mais. C'est honteux! Scandaleux! Hein. On se demande scandaleux! Pourquoi on les aime pas, mais c'est à cause de ce genre d'action! Mais grave! Après, les gens diront qu'il n'y a pas de société secrète de la Lalafel, mais. Et voilà, alors qu'en fait, c'est. Il n'y a pas de respect, quoi. C'est la première règle du Lalafel Club, c'est qu'il n'y a pas de Lalafel Club. Voilà. C'est ça. Alors, la société secrète de Lalafel, voulant envahir le monde, vous demande d'arrêter de partager ces plans de domination. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonne cinématique. Merci, à tout à l'heure. Maintenant, tu rigoles, bah, mais on se fait tous. Non, il faut pas que je coupe la vidéo. J'ai failli couper la vidéo, c'est bon. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer pour justifier encore 4 autres donjons, combats derrière? J'ai commis une grave erreur autrefois en me contentant de t'emprisonner. À présent, je dois te détruire afin de rompre définitivement avec ce passé qui me hante. Je pense qu'on va pas arriver à le détruire, ou alors il y a Eric Tonios qui va intervenir pour en empêcher. Et c'est donc pour voir... Quelle ténacité, c'est impressionnant.
Je ne suis peut-être qu'un rebut que tu as choisi de jeter aux oubliettes, toi, le grand Labrea. Mais je n'en conserve pas moins ma dignité. Et puisque tu as choisi une autre voie, c'est moi, Héphaïstos, qui me chargerai d'accomplir la volonté d'Athéna et d'Erichthonios. Tu vas faire, il va servir d'Erichthonios comme un cobaye. Tu prétends te soucier du sort de mon fils, mais tu te sers de lui comme un bouclier. Belle contradiction. Il est des volontés qu'il vaut mieux laisser à jamais inaccomplies. Athéna était prête à sacrifier le monde entier pour assouvir ses ambitions. Quant à Erichthonios... Erichthonios ne réalise pas les conséquences de ses désirs. Et toi, tu prends le contrôle de son esprit au lieu de lui ouvrir les yeux sur ses erreurs. Est-ce là le rôle d'un père, selon toi ? Mais... désir ? Quel père digne de ce nom irait user de sorts de contention sur son propre fils ? En fin de compte, toutes les valeurs dont tu te pars ne servent qu'à masquer ton ego surdimensionné. Athéna voulait avoir son fils à ses côtés. Erichthonios désire plus que tout revoir sa mère, et moi je suis là pour les réunir. Athéna avait besoin d'Erichthonios en tant que cobaye. Elle le voyait uniquement comme un matériau indispensable à ses expériences. Et tu le sais aussi bien que moi. Tu fais semblant de vouloir le bien de mon fils, alors que tu n'as en réalité que le projet de sa mère en tête. Lorsque j'ai ôté la vie d'Athéna, j'ai réaffirmé en mon fort intérieur mon vœu de consacrer mon existence à la planète. Dès lors, j'ai jeté un voile sur mes propres sentiments. En parallèle, j'ai aussi renoncé à jouer le rôle de père qui était le mien. C'est une réalité que je ne peux nier. Néanmoins, nul n'a le droit de s'accaparer ses responsabilités. Et certainement pas toi, un être abject né de mes frustrations et de celles d'Athéna. Ma mère, elle voulait me... impossible. Mais alors, que me reste-t-il ? Ça va être compliqué. Ça aussi. Donc, je reviens à toi, Erichthonios. Reviens à toi, Erichthonios. Nimitz, je te dois des excuses. À toi et à Thémis. Athéna, m'a-t-elle jamais aimé ? Et toi, Labrea ? Cette maudite farce a assez duré. Impossible ! Comment as-tu pu briser mon sort ? Je n'en ai aucune idée, à vrai dire. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai entendu la voix de Nimitz. Et pas que la sienne, d'ailleurs. Il y avait une autre voix, comme la tienne, mais bien plus sincère. Alors, il va réussir du coup à lancer le sort cache sans aide. Il me semblait qu'on avait dit qu'on allait l'éliminer, lui, pas l'encager. Depuis quand es-tu capable de lancer ce sort sans l'aide de personne ? Tu es plus résistant que les créatures du Pandémonium, mais tu ne m'échapperas pas pour autant. Ta papa, il va être fier. Je n'y crois pas. Vaincu par un bon à rien. Enfer et damnation. Je crougne. Oh. Bah non, du coup, il va... Ok. Oh. C'est pas le cristal qu'on a trouvé dans le présent, ça ?
Ah oui, fatigant, ouais. Je voulais plus qu'on me traite de bon à rien, alors j'ai sorti le grand jeu. Fondu en pins, exactement. T'imagines ? Quelle horreur comme destinée ! Être transformé en pins. Pas le détruire. Non, il le met dans sa poche. Tu as fini par y arriver, mon fils. J'ai récupéré le cristal d'Héphaïstos. Entre nous, je n'aurais jamais cru qu'Erichthonios parviendrait non seulement à s'y libérer, mais aussi à lancer le sort cache dans la foulée. Son entraînement a porté ses fruits, on dirait. D'un autre côté, je pourrais lui reprocher d'avoir pris une telle initiative sans rien saisir de la situation. Mais j'aime autant le complimenter pour changer. Oui, ça change, oui. D'Héphaïstos à la Abrea. On dirait que tu as entièrement recouvré tes capacités, aussi bien sur le plan physique que psychique. Tant mieux. Lidibus. Les interférences sur les champs de force du Pandémonium ont cessé, et la présence des Phaistos a disparu. Tout porte à croire que vous l'avez éliminé pour de bon. Or, j'ai comme l'impression que ce n'est pas le cas. Ah, il est en forme cristallique. On l'a transformé en pins. Donc tu l'as emprisonné. C'est sans doute le choix qui s'est imposé à ton esprit alors que tu es encore à moitié dans les vapes. Ouais, j'étais sonné et je comprenais pas grand-chose à ce qu'il se passait, alors j'ai pas vraiment réfléchi. La première fois, tu l'avais scellé exactement de la même façon ? Héphaïstos n'est au fond qu'une masse d'éther dépourvue de corps, un agrégat de souvenirs associé à une partie de mon âme. Il n'y a pas meilleur moyen que d'utiliser un cristal pour emprisonner ce genre d'entité. Que tu abordes le sujet, je pense qu'il serait grand temps de tout nous raconter, de la création des Phaistos à la mort d'Athéna. J'étais à peine conscient, mais assez pour entendre la sinistre vérité. Comme quoi ma mère voulait se servir de moi. Vas-y, je t'écoute. Ce qui s'est passé ici, les véritables motivations de ma mère, je veux tout savoir. Athéna était l'un de nos meilleurs atouts à l'Institut. Une grande savante doublée d'une scientifique dans l'âme, du genre à sacrifier ses repas et ses nuits au profit de ses recherches. Seulement voilà, de découverte en découverte, elle a fini par se mettre en tête de percer ce qu'elle appelait le secret de la vie. Comme vous le savez, nous autres humains sommes capables de fabriquer des créatures, mais pas des âmes. Et même si nous pouvons nous transformer, nous conservons malgré tout forme humaine. Eh bien, Athéna rêvait de s'affranchir de ses limites, de transcender sa propre existence. La fabrique des âmes, un mystère qui dépasse l'entendement du commun des mortels, autant dire qu'elle voulait entrer dans le secret des dieux. Une ambition aussi démesurée que dangereuse. On peut avoir la folie des grandeurs sans pour autant passer à l'acte, mais j'imagine que ce n'était pas le genre d'Athéna. En tant que directeur de l'Institut, je ne voyais pas d'inconvénient à discuter de ces sujets avec elle. Il revêtait un intérêt théorique certain. La fabrique des âmes a même toujours été l'un des grands horizons inatteignables de la science de la création. Sauf qu'à force de chercher, on finit par trouver. En l'occurrence, c'est de moi qu'est venue en premier la sinistre idée de nous fusionner à des monstres pour dépasser notre nature. Une simple vue de l'esprit qu'Athéna a tout de suite prise très au sérieux. Dès lors, elle ne m'a plus lâché. Elle m'a poursuivi jour après jour, m'encourageant à développer ma pensée par des incitations diverses et parfois des avances. Attends, ces gens se posent des questions sur la fabrique des âmes, il faut vraiment leur expliquer comment on fait des bébés. C'est donc pour ça que vous vous êtes mis ensemble et que j'ai fini par voir le jour.
J'étais trop stupide pour cerner ses véritables intentions. De même, je n'ai pas sourcié lorsqu'elle a insisté pour prendre la direction du pandémonium, sitôt sa construction achevée. Une grande scientifique à la tête d'un établissement de recherche, ça tombait sous le sens. Je ne pouvais pas prévoir qu'elle en ferait son terrain de jeu personnel. Donc elle a entrepris ses premières expériences de fusion, et c'est en l'apprenant que tu as décidé de l'éliminer ? Pas tout à fait. Des rumeurs évoquaient l'existence d'un laboratoire secret au plus profond du pandémonium. Je suis donc venu en personne pour en avoir le cœur net. J'ai ordonné à Agdistis de ne pas me suivre, et je suis descendu seul au dernier sous-sol de l'enfer où Athéna m'attendait. La suite, mieux vaut que vous la découvriez par vous-même. Ça tombe bien, on est sur place. Ah bah tiens, rebelote. Ce garçon attaché, c'est moi ? Et ouais, c'est pour ça que je dis rebelote. Lorsque notre partenariat avec Elpis a été acté, nous avions convenu, il me semble, que les geôliers du Pandémonium ôteraient leur masque au quotidien, pour éviter d'être confondus avec leurs confrères, entre autres raisons pratiques. Dois-je prendre ton obstination à garder le tien sur le nez comme une forme d'insubordination ? Elle ressemble à... C'est moi ou elle ressemble à Agdistis ? De l'insubordination à l'égard d'un supérieur qui n'a pas mis les pieds une seule fois dans cet établissement depuis sa construction ? Allons, tu te fais des idées. Écoute, je ne sais pas jusqu'à quand tu comptais tout jouer de moi et d'Agdistis, mais ton petit manège a assez duré. Sois raisonnable et relâche Erichthonios immédiatement. Il est encore temps de faire amende honorable. Si tu touches à un seul de ses cheveux, en revanche, je serai contraint de t'éliminer. Périr par ta main, j'en serai comblé. Néanmoins, je ne partirai pas avant de t'avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Je comprends bien, tu refuses d'interrompre tes expériences ? Si tu ressentais ce que je ressens, si tu savais à quel point la passion qui me guide est puissante, tu ne me poserais même pas cette question. Quoi que tu puisses ressentir, ça ne change rien au fait que tes projets sont néfastes à la planète. Oh, j'en ai parfaitement conscience. Par ailleurs, j'imagine que tu ne t'es pas déplacé en personne uniquement pour m'asséner ce genre d'évidence. J'ai piqué ta curiosité, n'est-ce pas ? Tu te demandes ce qu'une des meilleures chercheuses de l'Institut, la mère de ton enfant, peut bien avoir en tête pour se lancer dans une entreprise aussi risquée. Donne-moi ta main et je te dirai tout. Mieux, tu comprendras par toi-même ce que les mots ne suffisent à exprimer. Et alors, nous serons plus intimes que jamais. Ouais. Ne me dis pas que vous avez fusionné vos âmes. Et si, transcendez la barrière de l'âme pour ne faire qu'un. Athéna était prête à se donner entièrement à moi, pour qu'enfin je comprenne ce qu'elle ressent. Moi, je n'ai pas su lui dire non. Tant de questions me torturaient l'esprit à ce moment-là, et notamment une en particulier. M'aimait-elle vraiment ? Ou est-ce que la seule chose qu'elle aimait, c'était son projet, quoi ? Par cette main tendue, je t'offre mon cœur et mon esprit. Et moi les miens. Tu les ressens, n'est-ce pas ?
Ce sont mes pensées les plus intimes, l'essence même de ma personne. Oui, tout m'apparaît si limpide. Bonsoir, monsieur Ricky. Ton désir de percer le secret de la vie, d'abandonner ton enveloppe charnelle pour atteindre un niveau supérieur d'existence. On suit les aventures du chat. C'est exactement ça, oui. Ta soif inextinguible de connaissances, dénuée de toute considération envers les autres et envers la planète. Dommage, nous y étions presque. Mais qu'importe, puisque tu sais tout à présent. Ce que je pense, ce que j'ai accompli, tout. Dorénavant, le désir d'élucider le secret de la vie restera ancré au plus profond de ton âme. Et quand bien même tu chercherais à effacer tes souvenirs, cette ambition dévorante ne te quittera plus. Ah, c'est pour ça, en créant Héphaïstos, il y a déversé aussi ces désirs-là. Et c'est pour ça qu'Héphaïstos voulait accomplir le projet d'Athéna, en fait. Dans ce cas, je me séparerai d'une partie de mon âme, celle corrompue par ses pensées et connaissances délétères. En fin de compte, c'est ma faiblesse de caractère qui a conduit à cette turpitude. Je dois juger tes crimes plus sévèrement, en reniant cette fois tous ces sentiments qui me plongent dans le doute. Prépare-toi à subir le courroux de la Abrea. J'ai dissocié la part de moi qu'Athéna avait pervertie, et je l'ai enfermée dans un cristal. Je ne me doutais pas qu'elle finirait par se libérer, prenant corps sous la forme d'Héphaïstos. T'es exposé à un risque énorme. Passe encore si tu n'avais fait qu'altérer tes souvenirs, mais là, c'est comme si tu avais remodelé ton existence même. Je le concède. D'ailleurs, lorsque je suis retourné auprès du concile, les autres membres n'ont pas manqué de me dévisager, surtout Egeorm et Metzelk. Tu m'étonnes, c'était déjà un miracle que tu sois toujours en vie. Et pourquoi tu n'as pas détruit ce fameux fragment d'âme? Tu avais peur de perdre les connaissances qu'il renfermait? Tu comptais t'en resservir un jour? Cette pensée m'a effleuré l'esprit, en effet. Néanmoins, il s'agissait surtout d'une mesure de précaution, dans la mesure où c'était la première fois que j'effectuais ce type de scission. Je voulais garder la possibilité de faire machine arrière au cas où mon âme en aurait réellement pâti. Je sais à présent que c'était une grossière erreur de ma part. Maintenant que j'y pense, Athéna avait sûrement prévu que j'en arriverais là. Elle a dû laisser quelque part un corps prêt à l'emploi pour accueillir ma part d'ombre. En ourdissant ses plans, mon double pensait sans doute accomplir son devoir de père et de mari, alors qu'en réalité, c'était la volonté d'Athéna qui guidait tous ses actes. C'est bien pour cette raison qu'il s'employait à la ressusciter, et non à devenir lui-même un être transcendé. Il voulait lui laisser l'honneur d'achever en personne l'œuvre de sa vie. Ceci étant, je me suis souvent reconnu en lui, notamment dans sa propension à vouloir à tout prix imposer sa volonté aux autres. C'était à la fois notre plus grand défaut et notre plus grand point commun.
Dis, pendant que j'étais sous l'emprise d'Héphaïstos, vous êtes raconté des choses avec l'Abréen ? Je veux dire, est-ce que tu penses qu'il est sincère, là, tout de suite ? Bah, oui. A priori, ouais. Je sais pas, j'ai pas... Ouais, ok, on me pose... J'ai même pas à répondre, quoi. Ah, si. J'ai bien envie de lui dire que c'est à lui seul d'en juger, mais... Il nous a demandé notre avis, alors on va lui donner. Il a ouvert son cœur devant toi, à présent c'est ton tour. Il y a un truc que je piche pas. Tu m'aurais caché la vérité pendant tout ce temps pour me protéger ? Que tu savais à quel point j'étais attaché à ma mère ? L'Abréa que je connais aurait jamais réfléchi de cette manière. Très franchement, je ne pourrais pas une seconde si ça tenait qu'à moi. Hein. Me répandre en justification n'échangerait rien. Au bout du compte, la décision t'appartient à toi et à toi seul. Tu es autant en droit de m'accueillir à bras ouverts que de me repousser. Ah, Abréa, l'homme qui faisait passer sa mission avant tout le reste. Qui va seul au-devant du danger, aussi flamboyant qu'un brasier ardent. Dès qu'on remontera à la surface, tu redeviendras cet homme-là. Alors... Mais vaut que je te le dise ici même avant qu'il ne soit trop tard. Merci pour tout, Héphaïstos. Ok. M'attendez pas à ce qu'ils disent merci pour tout, Héphaïstos. Je crois que j'en ai assez entendu pour l'instant. Il y aura encore matière à discuter, mais mieux vaut qu'on retourne d'abord sur le parvis. Eh bien, allons-y. Nimitz, je te dois des excuses pour ce qui s'est passé avec Héphaïstos. J'ai réagi bêtement et je suis tombé tête la première dans son piège. Résultat, vous avez dû en baver pour me sauver. Désolé. Je voulais aussi te remercier, vous remercier, Thémis et toi, de m'avoir soutenu jusqu'au bout. C'est grâce à vous que j'ai pu enfin connaître la vérité au sujet de mon père. Moi-même, j'ai été extrêmement surpris d'entendre cette histoire. Au passage, je me demande à quel point Azem était bien renseigné. Faudra que je lui pose la question. Elidibus, je ne peux pas te laisser y aller tout de suite. N'oublie pas que c'est toi qui as le contrôle sur le pandémonium à l'heure actuelle. Bien sûr, je ne partirai qu'après avoir libéré tous les geôliers et remis en état les intérieurs qui ont été altérés. Nous devrions pouvoir soigner ceux qui ont subi des mutations à l'aide de l'équipement du laboratoire d'Athéna. J'y demeurerai jusqu'à nouvel ordre. Quand j'y pense, il reste pas mal de questions en suspens. Par exemple, je ne sais toujours pas ce qu'Héphaïstos avait prévu de me faire subir, ni comment il comptait s'y prendre pour ressusciter Athéna. Et c'est très bien ainsi. Mon fils, je t'interdis formellement de te pencher sur ces sujets. La fusion entre humains et créatures est une hérésie qui doit à tout prix être abolie. Moi-même, je détruirai le cristal d'Héphaïstos en temps voulu, afin que plus jamais de tels incidents ne se reproduisent. Une sage décision de ta part, j'approuve. Au fait, en apercevant le cristal d'Héphaïstos, j'ai tout de suite repensé au tien, même si leurs couleurs et leurs éthers sont complètement différents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah, moi aussi j'ai un cristal. Ce n'est pas bien difficile d'enfermer ses souvenirs dans un cristal. La question serait plutôt de savoir qui a voulu donner l'alerte à propos du pandémonium.
À part nous et Azem, y aurait-il quelqu'un d'autre au courant des incidents qui ont éclaté ici? Si c'est le cas, cette personne aurait déjà dû se montrer. C'est tout de même bizarre qu'on ne sache toujours pas qui c'est alors qu'on a sauvé le pandémonium. Moi je dis on l'a pas sauvé encore, il y a quelque chose qui va pas dans cette affaire. Un des geôliers peut-être? Je leur poserai la question une fois que nous les aurons libérés. Ça va prendre un petit bout de temps et je suis sûr que le devoir t'appelle ailleurs. Je ferai mieux d'y aller. Au pire, tu pourras toujours repasser nous voir plus tard. Tu as été héroïque de bout en bout, Nimitz. Tu vas pouvoir reprendre ton périple pendant qu'on s'occupe du reste. On croyait presque que tu t'adresses à Azem. C'est qu'il y a un air de ressemblance entre eux. Nimitz aussi est du genre à rouler sa bosse aux quatre coins du monde. Bon, eh ben, à la prochaine. Si tu en as l'occasion, n'hésite pas à revenir montrer ce fameux cristal à mon père. Qui sait, il pourrait découvrir des détails qui nous ont échappé. Ou alors on pourrait le faire là maintenant tout de suite aussi. Hein. Ok, donc on doit retourner voir Ruisseno à la porie. Let's go. Et petit tout, descend. Il est là, le monsieur. Nimitz, les 12 sont alloués, vous êtes de retour. J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Nous avons perdu le contact avec l'aéronef du professeur Claudien. Impossible de dire où il se trouve à l'heure actuelle. Ah bah tiens, voilà, je me demandais vers quoi ça allait aller. Par ailleurs, nos appareils de surveillance ont détecté il y a quelques instants un pic d'énergie anormale provenant de la mer des étoiles. J'ignore si c'est lié à la disparition du professeur, mais nous devons vite nous rendre au prisme de Laïcia pour en avoir le cœur net. Ok, alors en fait, du coup, on va faire le pandémonium, mais dans le présent, en fait. D'accord. Ça, je l'ai pas vu venir. Pincez-moi, je rêve, d'où sort cette énorme citadelle? Pourquoi, à chaque fois qu'il arrive quelques phénomènes fâcheux, il faut que vous soyez dans les parages? Ah tiens, Papa Alfino. Vous êtes les assistants du professeur Claudien, si je ne m'abuse. Vous m'avez devancé, ça veut dire que vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre dans l'apparition de cette étrangeté. N'allez pas prétendre le contraire. Ça, c'est ce que j'appelle un plot twist. On m'avait vaguement communiqué la teneur de vos recherches, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à des implications aussi extravagantes. La dernière fois qu'il nous a contacté, le professeur Claudien volait en direction d'Azisla, mais nous ne savons pas du tout s'il est arrivé ou non à destination. Je peux comprendre qu'il se soit laissé griser par l'appel de la découverte, malgré tout, ça ne lui ressemble pas d'être aussi négligent. Au point où l'on en est, je ne vois guère d'autre solution que de transmettre un avis de recherche aux autorités ishgardiennes. Évidemment, cette étrange forteresse dont vous présumez qu'il s'agit du pandémonium pose également un problème de taille, qu'il appelle une réaction rapide de notre part. Communiquez avec parcimonie pour prévenir tout vent de panique, réunir les meilleurs spécialistes de la mer des étoiles, observer grâce au prisme de Laïcia et s'assurer de l'absence de bouleversement à grande échelle. Nous aurons fort à faire dans les jours qui viennent. Quant à vous deux, vous avez intérêt à présenter de toute urgence un rapport détaillé au Conseil. Pour l'heure, beaucoup trop de zones d'ombre subsistent. Mais une fois que nous aurons fait la lumière sur toute cette affaire et décidé d'un plan d'action, j'en appellerai à vous pour nous aider à le mener à bien. Merci d'avance pour votre coopération. Je m'en vais de ce pas fournir des explications au Conseil.
à plus tard. Eh ben donc. Ah, un moment aussi crucial, il fallait que le professeur Claudien, le plus grand spécialiste de la mer des étoiles, soit porté disparu. Pour ne rien arranger, il a emporté avec lui le cristal qui nous intéresse. Nous n'avons plus le moindre indice sous la main. Bien sûr, je ne suis pas naïf au point d'ignorer la concomitance entre sa disparition et l'apparition du pandémonium. Et s'il y a effectivement un coupable derrière tout ça, celui-ci va sans doute tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais cru que la prison que vous nous décriviez surgirait sous nos yeux à notre époque. Je me demande si ces pensionnaires, geôliers et créatures sont toujours à l'intérieur. Bon, laissons ce genre d'interrogation à plus tard. Messire Fourchenot attend son rapport. Il a bien précisé que c'était urgent. Économisez vos forces, Nimitz. La situation pourrait évoluer plus vite qu'on ne le pense. Et dans ce cas, vous n'aurez plus le temps de vous reposer, croyez-moi. Et ben voilà. Ok, donc on va faire une pause ici. Ouais, on est 40 minutes, c'est parfait. Donc on fait une petite pause ici et je vous retrouve au prochain épisode pour la suite de l'aventure. Salut à tous.